président du Sénat, et c'est une très grande responsabilité, c'est une fonction éminente dans l'État, j'en mesure le poids, je connais les charges du président du Sénat, mais nous avons depuis longtemps préparé cela. Si on devait dire c'est quoi la République, je dirais c'est quelqu'un comme lui, issu d'une famille modeste, avec un itinéraire pas comme les autres, et qui peut être au perchoir, qui peut être numéro 2 de l'État dans la hiérarchie, on va dire, et puis diriger le Sénat français. Donc franchement, c'est merveilleux. Au fond, nous aurions préféré gagner, mais nous respectons la victoire de la gauche et nous respectons l'élection de Jean-Pierre Bel, qui s'est montré dans le passé une personnalité qui mérite le respect. Au sein de la gauche, je considère que c'est pas la pire des solutions, loin de là. Voilà. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas un bon signe, d'autant que ce basculement est d'abord le fruit de nos divisions, de nos tensions, est aussi sans doute le fruit de notre défaut d'explication sur les réformes. Donc c'est pas, évidemment que c'est pas une bonne nouvelle, et le climat global pèse.